suite à l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent communément la guerre à l'Allemagne nazie le 3 septembre à 11h. L'état-major français déploie presque 5 millions de soldats aux frontières de l'Hexagone. Elle concentre de nombreuses unités le long de la ligne Maginot. Pendant près de 9 mois, de septembre 1939 à mai 1940, des deux côtés du Rhin, aucune véritable bataille a lieu. C'est la drôle de guerre. C'est une chose dont je me réjouis, ce que la guerre soit arrivée assez tôt pour que Claude n'ait pas à la faire. Ma chère Anne, fais un effort de patience et de calme. Moi j'en fais tous les jours pour commander 150 bons hommes, pour les faire marcher et pour supporter leurs bêtises sans me mettre en colère et sans les punir. Ma chère Gilberte, nous sommes en pleine et constante agitation. Pour rien. Mais comme tout est idiot quand on est en guerre, ces petites folies n'ont rien imprévu. Nous sommes depuis 3 jours noyés sous un déluge de pluie. Et nous pataugeons comme vous, quand vous êtes à la loge par vilain temps. Soldats du 21e bataillon, du 5e régiment de joueurs, le moment de la confrontation est arrivé. Écoutez-moi bien, soldats. On ne se bat pas contre le peuple allemand, mais contre le nazisme. Suite à l'offensive de Panzerdivision, l'état-major nous donne l'ordre de prendre position. Notre priorité, défendre le pont de la Marne. À partir de maintenant, soldats, que chacun prenne position. Bonne chance à vous et vive la France.
seulement 5 semaines. La Wehrmacht inflige à la France, avec la tactique du Blitzkrieg, la plus humiliante défaite de son histoire. La mesure du malheur est aujourd'hui comble. Je croyais avoir prévu le pire. Et le pire m'est donc dépassé. Le bilan est apocalyptique. On dénombre 21 000 morts parmi les civils, 60 000 chez les soldats, 120 000 blessés. Il n'y a qu'à continuer dans la douleur, l'angoisse et le courage. Ça a claqué au seul endroit où ça n'aurait pas dû claquer, sans espèce de motif. Victime des bombardements intensifs de la Luftwaffe, la population quitte villes et villages dans un dénuement total. C'est l'exode. L'exode français. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside. Écoutez-moi bien, soldats. Le maréchal Pétain a signé l'armistice avec Hitler. La France, malgré tous ses efforts, a perdu la guerre. Vous n'avez donc rien compris à la situation. Criez vive Pétain ! Lorsque la patrie se meurt, l'armistice est une catastrophe. La guerre ne se termine pas. C'est maintenant qu'elle commence. Je sais que vous êtes épuisés et que nous n'avons plus aucune liaison radio depuis des semaines. Dans la douleur. Mais ensemble, il va falloir marcher 500 km de Paris à Limoges. Sans armes, on est foutu. À mon commandement, reprenez les armes. Il n'y a qu'à continuer dans la douleur, l'angoisse et le courage. Le capitaine a les pieds ensanglantés et vous râlez! C'est inadmissible! Il a même refusé une bicyclette! Pendant que le bataillon de Pierre traverse la France meurtrie, un général lance de Londres, dans l'anonymat le plus total, un appel. C'est l'appel du 18 juin.
Pierre Navant de cet appel qu'en septembre 1940. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste un vaste empire. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France ! Libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Afin de mieux connaître la véritable situation politique française, Pierre passe quelques heures à Vichy. Il comprend très rapidement les motivations du maréchal Pétain et retourne à Paris, rue de Grenelle. En attendant que sa femme et ses enfants reviennent de province où ils étaient restés pendant les combats, il se rend fréquemment chez sa sœur et son beau-frère à Clamart. Ne pouvant plus exercer son métier de journaliste à cause de ses propos anti-munichois, Pierre cherche un travail pour subvenir aux besoins de la famille. Après avoir tour à tour pensé à acheter un hôtel, ouvrir une chemiserie, il décide d'un commun accord avec sa femme revenue de la région bordelaise de faire l'acquisition des murs d'une librairie papeterie qui se trouve au 89 rue de la Pompe, juste en face de l'ancien collège de Pierre, Janson de Sailly. Cette librairie fut acquise à un juif russe qui s'appelait Hirschfeld. Il faut qu'on engage Hirschfeld. Comme beaucoup de familles ashkénazes, lui et sa famille quittèrent la Russie communiste, puis l'Allemagne nazie dans les années 30. Comme à Janson, il y a des lycéens qui veulent parler le russe. Ils pourraient faire des traductions. Pour des raisons idéologiques et politiques, des lois antisémites commençaient à s'étendre. C'est dans ce cadre que le couple Brossolette décida d'embaucher M. Hirschfeld comme employé, puis de cacher sa famille. De travailler chez nous. L'ancien propriétaire ne se cantonnait pas seulement à faire du classement. Il jouait le rôle de traducteur de certains textes russes. Afin de le protéger, lui et sa famille, Pierre organisa en mai et juin 1941 leur départ en zone libre. Libraire papetier, et toi vendeuse, on est tombé bien bas. Il va falloir qu'on s'y fasse. Nous avons rapidement trouvé du travail. Cette librairie en face de Janson, ton ancien lycée, est une aubaine. Comme le destin est curieux, j'ai passé toute ma scolarité dans cet établissement. Raflé tous les tableaux d'honneur, passé mon bac. Et maintenant, je me retrouve à vendre des gommes et des crayons à ces nouveaux locataires. La guerre se terminera rapidement. La dernière fois, en 14, on a cru que la guerre se terminerait en quelques mois. Elle a duré 4 ans. 4 ans. En tout cas, il n'y a pas grand monde. Le fait qu'on s'installe après la rentrée n'a pas simplifié notre affaire. Non. Quelle heure est-il ? 18h. Si à 18h30, il n'y a pas de clients, je baisse le rideau. Les journées comme libraire papetier s'avéraient difficiles. Pierre se levait tous les jours à 6h30, prenait le métro, puis montait le rideau à 8h. Il préparait les commandes, évaluait les recettes et conseillait les lecteurs dans leur choix. Il lui arrivait parfois de dispenser des cours à des élèves venant du lycée de Janson de Sailly. Cette activité professionnelle se terminait à 19h.
Il passait donc du rang d'agrégé d'histoire, de brillant journaliste au rang de libraire papetier. Il devenait vendeur de gomme. Pour Pierre, la certitude qu'un peu partout, des alliés inconnus attendaient la première occasion d'entrer en action eut un effet déterminant. C'est dans cet esprit que Pierre commença la publication de journaux clandestins dans une arrière-boutique, rue Bonaparte. Pierre rentra dans le premier réseau de résistance appelé Musée de l'Homme par l'intermédiaire de Madeleine Leverrier, son ancienne directrice du journal L'Europe Nouvelle. Vous verrez, c'est un journaliste extraordinaire. Agnès Imbert et son patron Jean Cassou vinrent parler à Pierre dans la salle de lecture de la librairie en novembre 40. Ce réseau pionnier était essentiellement constitué d'universitaires. Vous avez toujours des idées en avance. Vous êtes vraiment l'homme de la situation. Et puis vous êtes un insoumis. Ils cherchaient pour leur journal Résistance un opposant patriote à la plume tranchante. Il était bel et bien l'homme de la situation. Pensez à me fournir des stencils. Anatole est vraiment un grand ami. Très bien, Broussolette. C'est du très bon travail, mais essayez d'en imprimer plus. Vous avez toujours de l'humour, Levitsky. C'est d'accord. Oui, absolument. Je cherche à vendre des passeurs espagnols. Oui, Agnès. Vous avez ça ? À partir du 10 février 1941, à la suite de trahisons, le réseau est démantelé. Ce réseau issu du monde universitaire furent exécutés au Mont-Valérien ou déportés au camp de Ravensbrück. Malgré les arrestations, Pierre terminera seul le cinquième et dernier numéro de Résistance. La partie est terminée. Les dés sont jetés. Les trahisons françaises et la Gestapo ont raison de notre raison. Ils ont raté Levitsky aujourd'hui. Et puisqu'il faut bien faire quelque chose, même quand tout est fini, je terminerai le dernier numéro de Résistance. Après le démantèlement du Musée de l'Homme, Pierre retrouva en hiver 41-42 une activité intellectuelle. On lui demanda de donner deux fois par semaine des cours d'histoire-géographie au réputé Collège Sévigné. C'est dans cet institut qu'il fit la rencontre de Louis François, professeur d'histoire-géographie. En décembre 41, par l'intermédiaire de Louis François, Pierre fit enfin la connaissance d'un contact londonien. Il s'agissait du colonel Rémy. Bien que les convictions de Rémy soient aux antipodes de celles de Pierre, il accepta de le rencontrer. Vous
toute de gauche et moi d'Action française. Tout nous sépare, mais nous avons tous les deux un amour de la France. Oui, je pense que cette ce dernier fut immédiatement séduit par son charisme. Absolument. Oui, quand je serai à Londres, tout sera différent. Je ferai mon travail au niveau des rapports. Vous avez un air espagnol. Vous appelez Pedro. À la vôtre. À la vôtre, colonel. En plus d'être le lien direct avec l'Angleterre, Rémy disposait de moyens importants. Il avait mis sur pied une agence de renseignement très efficace dans plusieurs zones stratégiques de l'Hexagone. Ainsi se procurer des avions ou des bateaux pour les exfiltrations de résistants. Il fut considéré comme le premier agent secret de la France libre. Pedro fut dans l'organisation du colonel Rémy, le spécialiste des questions d'information et de propagande. Ils ont bien lu. Ces synthèses furent transmises à Londres. Je pars à Londres. Un soir du mois de novembre 41, le colonel Rémy vint à la maison rue de Grenelle. Bonsoir, Pierre. Bonjour, colonel. Vous savez, normalement, je ne m'appelle pas le colonel Rémy. Mon vrai nom, c'est Gilbert Renaud. Votre mari est un homme extraordinaire. Les rapports qu'il envoie à Londres sont fantastiques. Oui, bien sûr que Pierre fait de bons rapports, je n'en doute pas. Depuis qu'il est arrivé à la confrérie Notre-Dame, il y a beaucoup plus d'entrain. C'est un élément moteur. Avec lui, ça bouge. Je suis très heureux que vous ayez accepté de devenir un soldat de la France libre. Merci pour votre accueil, Madame Brosselette. Au revoir. Je vais vous raccompagner, colonel. Merci, Pierre. On n'est pas sorti de l'auberge. Vraiment spécial. Je te le fais pas dire. À partir de cette rencontre, la librairie devient un lieu de rendez-vous de plus en plus fréquenté. Le sous-sol devenait une boîte aux lettres idéale. C'était si commode de se rencontrer dans le va-et-vient de la clientèle. D'autant que les habitués qui empruntaient les livres avaient coutume d'aller seuls choisir leur volume. C'est grâce à cette couverture que tous les chefs des réseaux et des mouvements de la zone nord purent défiler sans la moindre inquiétude. On pouvait y trouver Christian Pinault, Louis Vallon, André Philippe, ou bien encore Jean Cavaillès. Avant son départ, Pedro se rend sur les instructions du colonel Rémy chez son faussaire. Oui, Poussé, c'est moi. Un prénommé Poussé. Celui-ci lui transmet tous ses faux papiers. À partir de maintenant, on vous appellera Pedro. Afin de fêter le départ de Pierre pour Londres, le colonel Rémy invite la famille Brosselette au restaurant chez Prunier. Tu crois vraiment qu'on devrait aller au restaurant avec lui? Il peut tout faire capoter. Mais non. Vous ne serez pas déçus par la carte de Prunier. Est-ce que tu pourrais me passer un peu de sel, s'il te plaît? Le plat vous plaît-il? Ça change effectivement des rutabaga. C'est succulent. Oubliez les rutabaga et autres tickets de rationnement. Merci, Claude. Anne, ça te plaît? On en a de la chance, hein? À la fin du repas, le colonel Rémy prit la parole pour souhaiter bonne chance à Pierre. Je lève mon verre à Pierre. Ce soir, c'est le grand soir. Mon cher Pierre, vous qui serez à Londres demain. Pierre, médusé par l'inconscience de Rémy, l'assassina avec son regard. Vas-tu dire ? Vas-y. Tu crois qu'on devrait leur dire ? Par mesure de sécurité, le couple décide de dévoiler toute la vérité à leurs enfants. Claude, je sais que tu vas faire pour le mieux.
Anne, ma grande, sois forte. Papa, tu peux compter sur moi. Dans la nuit du 27 au 28 avril 42, Pierre et Jacques Robert s'envolent à bord d'un Lysander. Objectif de l'opération Bridge, rejoindre Londres. La pétrolette a vidé son Jacques. C'est bon. Papa y est arrivé. Heureux qui communiste a fait un long voyage. Dès son arrivée à Londres, Pierre est immédiatement reçu par le colonel Passy au 10 Duke Street dans les locaux du BCRM. La rencontre entre les deux hommes est capitale pour l'action de la résistance intérieure. Et une véritable amitié fraternelle naîtra. Ces deux hommes si dissemblables, de générations différentes, venus d'horizons presque opposés, vont devenir des amis. Et leur amitié durera jusqu'au bout. Mon colonel, le capitaine est arrivé. Faites l'entrée. Lieutenant Manuel, à vos ordres. Bonjour, commandant. Bonjour, colonel. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Pas trop de turbulences dans le Lysander ? Oh non. Les services secrets français se félicitent de vous avoir dans ses rangs. Votre expérience sociopolitique nous sera très utile à Londres. Oui. J'essaierai d'être à la hauteur. Mais oui, vous le saurez. Vous êtes un homme. Supérieurement intelligent. Ah. Le général souhaite un rapport détaillé sur la situation en zone nord. Un rendez-vous m'attend. Je vous présenterai le général le plus rapidement possible. Je vous laisse vous installer. À demain, mon cher Pierre. À demain, mon colonel. À demain. Au revoir. Dans la solitude, la peur et le froid, Gilbert gérait tant bien que mal la librairie en l'absence de son mari. Madame Brousselette, votre mari est parti. Je vous plains. Vous avez du Hegel ? Est-ce que dans votre librairie, vous avez du Nietzsche ? Le philosophe Nietzsche est interdit en France ? Oh mon Dieu ! Bien, si c'est comme ça, au revoir, madame. Par l'intermédiaire du chef des services secrets français, le colonel Passy, Pierre fait rapidement la connaissance du général de Gaulle. Général. Le premier face-à-face entre les deux hommes aura lieu au Carlton Gardens, le quartier général des forces françaises libres à Londres. Commandant Brousselette, je suis heureux de vous rencontrer. Tout le plaisir est partagé, mon général.
Avez-vous fait bon voyage? Il n'y a pas eu de problème particulier en vol. Tant mieux. J'ai lu le rapport que le colonel Passy vous a demandé de rédiger à mon intention. Votre conception d'une future politique à mener à Londres est très, comment dire, inattendue. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux Français, c'est que vous êtes plus qu'un chef militaire. Certains politiciens américains vous voient comme un dictateur. Vous devez devenir, aux yeux des Français, l'incarnation vivante de la résistance. Le général de Gaulle est l'homme de l'espoir. La BBC sera une des armes à utiliser dans le combat médiatique. La radio serait donc un moyen de modifier le cours des choses. S'ils entendent des Français libres parler à Londres ou à Alger, ils se diront que l'espoir de recouvrer la liberté en France est possible. Oui, mon général, la radio est nécessaire pour la reconquête du pays. Aussi utopique que cela puisse paraître, la guerre pourra se gagner avec des journaux clandestins et des émissions de radio. Je vais réfléchir à cette stratégie médiatique. Je vous charge de coordonner plus étroitement l'action des mouvements en zone nord, Brossolette. Comme vous étiez un journaliste très prisé en 40 et un politicien affirmé, je souhaiterais que vous vous mettiez en relation avec toutes les personnalités politiques qui seraient tentées de quitter Pétain pour nous rallier. J'établirai des liens avec des associations politiques, des mouvements catholiques et la Ligue féminine. Je vais essayer d'approcher Valin, un ancien déçu de Vichy. Vous pouvez compter sur moi, mon général. Vous avez toute ma confiance, commandant Brossolette. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1942, Pierre et Jacques Robert repartent en mission en Lancaster. L'opération Python est amorcée. Se retrouve sur le sol français aux premières heures du 7 juin 1942. Pour éviter d'être inquiété par la Gestapo, Pierre loge rue de la Faisanderie chez Anne Davinroy, institutrice. Anne Davinroy. À partir de son retour de Londres, Pierre devient un homme très recherché et rencontre rarement sa famille. Gilberte, sa femme, était une des rares personnes mises dans la confidence. Vous êtes Madame Brossolette ? Je suis très heureuse de vous rencontrer. Pierre va venir, je vous l'appelle. Oh Pierre ! Tu m'as tellement manqué ! Après avoir passé quelque temps à Paris, l'insatiable résistant reprend son bâton de pèlerin. Objectif. Exfiltrer des Français volontaires pour les présenter à Londres. Ce sera l'exemple de Charles Valin. Alors Cannes fait des versions latines dans le bureau de son père. Quatre agents de la police française veulent procéder à une perquisition. Il va falloir répondre, ma petite. Pour des raisons juridiques, ils sont dans l'obligation de chercher sa mère se trouvant rue de la Pompe. Dis à ta mère que nous reviendrons. Pour ne pas dévoiler la couverture de son père, Anne leur explique que ce dernier était parti avec une autre. Messieurs les agents, je vous assure que mon père n'est pas là. Dans le doute, profitant de quelques instants d'inattention, Anne court vers la chambre qu'elle partage avec son frère
et dissimule in extremis les photos du roi et de la reine d'Angleterre près de la cheminée. Il faut que je cache les photos du roi et de la reine. S'il trouve ça, c'est foutu. Pourquoi ? Dois-je vraiment vous suivre ? Pourquoi ? Écoutez, je vous ai dit que nous n'avons pas d'ouvrage interdit. Non, nous ne cachons pas des juifs. J'ai l'impression que vous cachez des choses. Face à Gilberte, les agents reprennent le même interrogatoire. Où est votre mari ? Il est parti avec une autre. Avec qui ? Vous croyez vraiment qu'un mari donne son adresse quand il part avec une autre ? Si vous ne voulez pas d'ennui, collaborez ! Écoutez, tout ce que je sais, c'est qu'elle est blonde. Il faut me laisser tranquille maintenant. N'ayant rien trouvé de vraiment compromettant, il se retire, mais malheureusement... Au moment de leur départ, ils croisent Claude revenant du lycée. Les hommes lui posent les mêmes questions. Sortez, madame. Il donne la même version que sa sœur et sa mère. Un des agents trouva malheureusement un document dans sa chambre. Sous des manuels scolaires se trouvait une carte d'Europe. Et ça, c'est quoi ? Où le jeune adolescent avait écrit « Vive Churchill, vive De Gaulle ». La Gestapo française tenait un pseudo-coupable. Non, non, s'il vous plaît, c'est mon fils. Malgré les supplications de sa mère, ils emmènent le lycéen au siège de la sûreté allemande, rue des Saussets. Non, non, je vous en prie. Âgé de 14 ans, il subit 6 interrogatoires. Au cours de l'un d'eux, la Gestapo française le laisse à jeun devant un mur blanc pendant 6 heures. Il ne dévoile rien. J'ai promis à papa. Claude, je sais que tu vas faire pour le mieux. Le cran et la ténacité de sa mère enlèvent Claude aux Allemands qui voulaient l'envoyer dans un camp de concentration. À seulement 15 ans, Claude devient le plus jeune compagnon de la résistance. À l'annonce de la capture de Claude, son fils, Pierre quitte précipitamment Londres et doit prendre le risque de sauter en blind. Est-ce que vous voulez vraiment sauter en blind ? C'est très dangereux. Claude en prison ? C'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait pas faire plus vite ? Trop tard. Blind arrive sur le sol français le 7 juin 1942 avec quelques hématomes. Il rejoint aussi vite que possible sa famille.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te rends pas compte du risque que tu prends? T'aurais dû rester à Londres! Tu crois que j'aurais laissé mon fils dans une prison? Non, jamais! J'ai tout préparé à Londres. Prenez vos affaires. La famille quitte Paris le 12 juillet 1942. Pendant qu'ils parcourent l'Hexagone dans des conditions épiques afin de rejoindre Gibraltar puis l'Angleterre, une terrible mécanique se met en place. Il s'agit de la rafle du Vélodrome d'hiver, plus connue sous le nom de rafle du Valdiv. Le 16 et 17 juillet 1942, René Bousquet, le grand patron de la police nationale, donne l'ordre à ses effectifs, à la demande de Vichy, d'arrêter tous les juifs étrangers et apatrides autour de Paris. Lâchez-moi ! Pendant ce temps, les Brossolettes passent la ligne de démarcation et atteignent les calanques de Cassis. L'objectif est de rejoindre Gibraltar. Laissez mon grand-père ! 13 152 juifs sont arrêtés et confinés dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver dans des conditions inhumaines. En attendant leur déportation pour le camp d'extermination d'Auschwitz, on les regroupe dans des camps de transit comme celui de Drancy ou de Pithiviers. 811 des 13 152 déportés survivent. Le 28 octobre 1942, Pierre est nommé membre du Conseil de l'Ordre de la Libération par le général de Gaulle. Il passe beaucoup de temps dans les bureaux du BCRA et assiste aux conférences. Pour avoir constaté sur le terrain dans quelles conditions précaires les maquisards et autres résistants français se battaient, il persuade les organisations françaises de se placer sous la seule autorité du service londonien afin de bénéficier de leur matériel. Les forces britanniques et l'entourage du général de Gaulle considéraient ces soldats de l'ombre comme des terroristes. C'est pour cette raison qu'ils mirent à disposition des maquis une infime partie de l'armement, quelques Lysander et quelques parachutages. Après la rupture du pacte germano-soviétique, mi-juin 1941, et la mise en place du STO, service du travail obligatoire, fin 1942, de nouvelles forces vives se mettent en place. Pierre, qui est conscient des bouleversements importants du pays, s'adresse à ses nouveaux soldats de l'ombre, qu'il appellera les soutiers de la gloire. Vous allez entendre dans quelques instants, sur la radio BBC, un soldat de la 2e bataille de France. Voici ce qu'il faut que je vous demande. À côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez toujours, luttent et meurent des hommes, mes frères d'armes, les hommes du combat souterrain pour la libération. Ces hommes, je voudrais que nous les saluions ce soir, ensemble. Tués, blessés, fusillés,
arrêtés, torturés, chassés toujours de leur foyer, coupés souvent de leur famille. Combattants d'autant plus émouvants qu'ils n'ont point d'uniforme ni d'étendard. Régiments sans drapeau où les sacrifices et les batailles ne s'inscriront point en lettres d'or dans le frémissement de la soie, seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivront. Saluez-les! La gloire est comme ces navires où on ne meurt pas seulement à ciel ouvert, mais aussi dans l'obscurité pathétique des cales. Ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. Saluez-les, Français! Ce sont les soutiers de la gloire! Le 2 novembre 1942, Pierre décide d'écrire au général de Gaulle pour lui faire part de ses états d'âme. Il sait qu'il prend des risques importants, mais ose s'attaquer à la statue du commandeur. Mon général, je ne vous adresse pas cette lettre par la voie hiérarchique. C'est une lettre privée, ce qui ne veut pas dire que ce soit une lettre personnelle. Je ne vous l'écris que dans la mesure où je me sens responsable envers la masse de ceux à qui j'ai garanti le chef de la France combattante. Deux fois en 15 jours, je me suis senti très loin de vous. Il s'agit de la pratique quotidienne par laquelle vous vous efforcez de préparer cette libération et cette reconstruction. Il entre dans votre système de nier la critique, de nier la valeur, de nier la réalité même, cette critique. Il faut pourtant que vous sachiez qu'elle est à peu près générale. Il faut que vous ayez avec eux des rapports humains. Les grands chefs de gouvernement l'ont toujours fait. Surtout ceux qui se sentaient le plus sûrs d'eux-mêmes. Ils ne se diminuaient pas ainsi. Ils se grandissaient. Car elle est une terrible école, l'amertume. Peut-être vous étonnerez-vous de me voir vous parler avec cette liberté. Dans le domaine de la politique, je suis peut-être un des Français de Londres qui possède le plus d'expérience. Ce ne sont pas nos consciences qui sont en cause. Conscience peut toujours parler d'égal à une autre conscience. Dans ce quelque chose d'impérieux, il y a probablement de la grandeur. Mais il s'y trouve, soyez-en sûrs, plus de péril encore. Les moins bons n'abondent que dans votre sens. Que les pires se font une politique de vous flagorner, et que les meilleurs cessent de se prêter volontiers à votre entretien. Vous ne rencontrez plus qu'un sentiment flatteur. Mais vous savez aussi bien que moi où cette voie a mené d'autres que vous dans l'histoire. Je me permets de vous supplier de faire sur vous-même l'effort nécessaire pendant qu'il en est temps encore. Je ne parle pas de moi, que vous avez le droit de considérer comme peu de choses. Que vous ayez avec eux des rapports humains, que vous sollicitiez leurs conseils, que vous pesiez leurs avis. Si je vous ai néanmoins choqué par la liberté de mon propos, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je ne l'ai fait que par sincérité. Pierre n'aura jamais de réponse à cette lettre. À partir du mois de janvier 1943, Pierre, le colonel Passy et l'officier britannique Ian Thomas de la Royal Air Force, vous pouvez compter sur moi, vont se lancer dans une mission capitale. Il s'agit de la mission Arquebuse-Brumaire, qui aura pour finalité, en vue de la création du CNR, de fédérer tous les mouvements en zone nord. Pierre, parachuté dans la nuit du 26 au 27 janvier 1943, s'installe rue de la Fenandrie dans l'appartement de Claire Damaroy. Cet appartement avait pour spécificité de se trouver dans un immeuble peuplé de membres de la Gestapo.
À peine arrivé à Paris, Pierre rédige 3 rapports qu'il transmet à l'adjoint du colonel Passy. En attendant que Passy et Yé Thomas le rejoignent à Paris, Pierre multiplie les rendez-vous avec les chefs de réseau et crée un comité de coordination en zone nord. Drôle de journée. Le matin, je vois mon curé et l'après-midi, mon communiste. Dans la soirée du 27 février 1943, le colonel Passy et Yeo Thomas rejoignent Pierre, rue de la Faisanderie. Afin de gagner du temps, chaque membre du trio se concentre sur un objectif précis. Yeo Thomas rencontre les chefs des maquis pour recenser leurs besoins en armes. Passy renforce les bases de l'armée secrète et Pierre travaille à la cohérence de tous les objectifs à atteindre en zone nord. Est-ce que vous êtes l'envoyé de Londres ? Oui, on m'appelle Shelley. D'accord. Brumaire, j'ai eu un rapport excellent. On a bientôt terminé ce qu'il fallait. Deux membres du maquis. C'est Shelley. J'ai l'impression qu'à Londres, on nous traite comme des moins que rien. Nous, les maquisards, nous ne sommes pas des terroristes. On a absolument besoin d'armes. Je fais tout ce que je peux pour vous ramener des armes. Je vais en informer les autres maquisards. Est-ce que vous avez pensé au parachutage ? Oui. Vous pouvez compter sur moi. Merci Shelley. Vous prenez le grand risque. Je vous raccompagne. Prenez d'abord par la droite, puis tout droit. Les deux chefs du renseignement décident de mettre en place avec des spécialistes deux centrales de transmission, Coligny et Prométhée. La liaison avec Londres fonctionne comme jamais. À partir du 23 mars 1943, Pierre prend sans l'aval de Jean Moulin des décisions qui ont pour but d'unifier les mouvements de résistance en zone nord. Son action est efficace et très rapide. Moulin, placé devant le fait accompli sans soutien son autorité de chef de la résistance intérieure, contesté. Nommé par l'homme du 18 juin, il est là pour fédérer tous les chefs de réseau, mais Pierre rue dans les brancards et plaide sa cause à Londres. Chacun y va de son rapport. Le 31 mars 1943, en compagnie du colonel Passy, les deux hommes se retrouvent au bois de Boulogne, à Paris. Rex. Brumaire. Allons par là, c'est plus prudent. J'ai constaté que vous avez pris quelques dispositions.
sans m'en avertir. Oui. En ce qui concerne la création du CNR, j'ai commencé quelques tractations avec des partis politiques. Des partis politiques au CNR? Vous n'êtes pas sérieux? Bien sûr que si. C'est la meilleure des stratégies. Vous n'y êtes pas, Rex. Cessez de me parler sur ce ton. Je ne vais tout de même pas me rabaisser à écouter vos théories saugrenues sans rétorquer. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un subalterne. Il va falloir expliquer ça au général. Dans la résistance, il faut savoir improviser, et je l'ai fait. Je ferai un rapport précis sur vous. On se revoit cet après-midi. Bois de Boulogne, un tout petit peu plus loin. Ah, le retour du grand journaliste. Espèce de fonctionnaire routinier. Cessez, je vous prie. Je vois clair dans votre jeu. Vous n'avez cessé de me contrer. Vous avez essayé d'empêcher le général de Gaulle de me confier sa représentation en zone nord. Mais j'ai triomphé. Et alors? L'idée de la création d'un conseil de la résistance avec les partis politiques constituera une erreur qui minera la chance du redressement de la France. Soyez moins naïf, Brosselette. C'est du journalisme de pacotille. Si moi, je fais du journalisme de pacotille, depuis les années 20, vous êtes un fonctionnaire routinier. Taisez-vous. Sûrement pas. Pourquoi dire tant de sottises? Si vous croyez que je vais courber l'échine devant un ancien préfet, vous vous méprenez. Vous êtes ici pour exécuter les ordres du général. Et non pour organiser des embuscades contre son représentant. Je ne vous laisserai pas pourrir la situation. J'ai demandé votre rappel à Londres. Vous êtes injuste, parfaitement injuste. Vous n'êtes qu'un petit ambitieux. J'ai l'ambition, comme vous, que la France recouvre la liberté. Vous êtes brillant, arrogant, mais incapable de comprendre une situation et de traduire des idées en actes. J'en ai assez. Je suis journaliste politique et non un fonctionnaire ambitieux comme vous. Quand je parle à la BBC, les Français reconnaissent ma voix. Vous n'êtes rien pour eux. Vous devriez vous remettre à la peinture au lieu de dire des absurdités. Avec vous, il n'y a aucun moyen de s'entendre. Vous avez toujours le dernier mot. Le lendemain, Pierre et le colonel Passy rejoignent Jean Moulin lors d'une réunion qui se déroule rue de la Faisanderie. Vous pouvez prendre place, messieurs. Ils vont arriver. Le nouveau chef de la résistance est accompagné par son secrétaire, Daniel Cordier, alias Caracalla. Caracalla, faudra bien écouter la conversation. Vous en faites pas, patron. Je m'occupe de tout. Brumaire, on s'est calmé depuis hier. Vous êtes l'homme de la Troisième République. Cette Troisième République qui a failli. Vous n'êtes qu'un journaliste de pacotille. Moulin, arrêtez de toujours dire la même chose. Il y a quelques semaines, nous étions encore à l'échelle de la Résistance. Mais arrêtez donc! Vous êtes un intrigant. Si vous saviez ce que je pense Moulin, de vous. Pierre, arrêtez sur le champ. Il y a la Gestapo. Vous nous faites prendre des risques inutiles. Ici, c'est moi, le chef. Ici et maintenant, vous sortez. Partez! Partez vite! Par là! Grâce au succès de la mission Arquebuse Brumaire, mise sur pied en zone nord dans un temps record, et le ralliement de la zone sud supervisée par Jean Moulin, une délégation clandestine est établie à Paris. À la demande du général de Gaulle voulant montrer aux anglo-saxons que la résistance intérieure française le soutient, Jean Moulin réunit autour de la table des négociations toutes les tendances politiques de la résistance. Il s'agit là du CNR.
le Conseil national de la résistance. Le programme du Conseil national de la résistance, présidé par Jean Moulin, sera adopté le 27 mai 1943. Le document comprend deux parties. Un plan d'action immédiat qui concerne l'action militaire de la résistance intérieure dans la perspective de la libération et les mesures à appliquer dès la libération du territoire. Sorte de programme de gouvernement qui comprendra notamment le rétablissement du suffrage universel, les nationalisations d'entreprises et la création de la sécurité sociale. Ces actions constituaient jusqu'à aujourd'hui une grande partie des acquis sociaux de la seconde partie du XXe siècle. Le 21 juin 1943, trahi par un résistant, Jean Moulin, le président du CNR, est arrêté à Caluire, près de Lyon, en compagnie de plusieurs autres responsables de la résistance. Après avoir été identifié et torturé par le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, on le transfère à la Gestapo de Paris, avenue Foch. C'est un certain Ernst Misselwitz qui s'occupe personnellement de son cas. Inlassablement la torture. Mais Moulin résiste. Épuisé, il meurt le 8 juillet 1943 dans un train qui devait l'emmener à Berlin. Le 27 mai 1943. À l'école des cadets de la France libre à Ribersford, Pierre est décoré de la Croix de la Libération. Au nom de la France libre que je représente, ici, à Londres, moi, Général de Gaulle vous remet pour votre bravoure la Croix de la Libération. Modèle d'esprit, de devoir et de sacrifice, organisateur d'un rare mérite, vous avez fait preuve au cours des importantes et périlleuses missions qui vous furent confiées d'un dévouement exemplaire au service de la France. Au nom de la France libre, je vous remets cette croix de la résistance. À la mort tragique de Jean Moulin, Pierre, le numéro 2 des services secrets français, le héros de la mission Arquebuse-Brumaire, le conseiller politique du général, pense être nommé à sa place. Il n'en est rien. De Gaulle voit en Brossolette un homme très intelligent mais incontrôlable. C'est pourquoi l'homme du 18 juin nomme des hommes plus dociles comme Bollaert, Bouchinet-Serolle ou encore Jacques Bingen. Malgré ce désaveu, Pierre compte continuer le combat sur le terrain. Grâce aux victoires de l'armée française d'Afrique, et notamment la bataille de Bir Hakeim, la France libre reprend espoir. Après la création du CNR,
le général de Gaulle quitte plus ou moins Londres pour Alger. Là-bas, il doit batailler contre les Anglo-Saxons et le général Giraud qui souhaite l'évincer. C'est dans ce contexte qu'il demande à Pierre de le remplacer à Londres pour commémorer l'anniversaire du 18 juin. Un seul combat pour une seule patrie. C'est pour entendre ce mot d'ordre que la France combattante est rassemblée dans une immense salle de Londres pour fêter le 3e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. L'histoire de notre pays n'est qu'une suite de prodiges qui s'enchaînent. Prodige de Jeanne d'Arc, prodige des soldats de l'an 2, prodige des héros de la Marne et de Verdun. Voilà le passé de la France. Ma mission est ce soir de rendre hommage à ceux par les prodiges desquels la France conserva un présent et un avenir. Les morts de la France combattante. Ce qu'ils étaient hier, ils ne se le demandaient point l'un à l'autre. Sous la croix de Lorraine, le socialiste d'hier ne demande pas aux camarades qui tombent s'il était hier. Croix de feu. Dans l'argile fraternelle du terroir, Étienne d'Or et Péry ne se demandaient point si l'un était hier royaliste et l'autre communiste, compagnon de la même libération. Le père savait, ne demande pas au lieutenant Dreyfus quel dieu ont invoqué ses pères. Des houles de l'Arctique à celles du désert, des ossuaires de France au cimetière des sables. La seule foi qu'ils confessent, c'est leur foi dans la France écartelée, mais unanime. Colonel de 30 ans, capitaine de 20 ans, héros de 18 ans, la France combattante n'a été qu'un long dialogue de la jeunesse et de la vie. Le visage de la patrie, les morts de la France combattante les ont effacés. Les larmes d'impuissance qu'elle versait, ils les ont essuyées. Les fautes dont le poids a courbé, ils les ont rachetées en cet anniversaire du jour où le général de Gaulle les a convoqués au banquet sacré de la mort. Ce qui nous demande pas de les plaindre et de les continuer. Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas un regret, c'est un serment. Ce n'est pas un sanglot, c'est un élan. Lors d'un voyage à Alger, alors qu'il pourrait attendre le débarquement du 6 juin, Pierre insiste auprès du général de Gaulle pour avoir une nouvelle mission. Le chef de la France libre refuse, puis finalement accepte.
Si vous tenez tellement à aller au casse-pipe, allez-y, mais ne maltraitez pas trop la résistance. Durant l'hiver 43-44, le ciel restait couvert. Comment les avantages de la clarté de la pleine lune? Prendre un Lysander était trop dangereux. Afin de poursuivre l'action, une nouvelle option est choisie. Elle consiste à partir de Bretagne par la voie maritime. C'est pas ce qui était prévu, mais bon, on fera avec. Bon, je crois qu'on va prendre par Tudy. Le 2 février 1944 au soir, Émile Bollert, le futur général Jouot, et Pierre embarque sur un 14 mètres dont le nom est le jouet des flots. Mais c'est quoi ce rafio? 28 personnes sont dans le bateau. À l'aube, après avoir échappé à la tempête, le jouet des flots accoste enfin près de la pointe du Raz. Évidemment que ça souffle, on est quand même à la pointe du Raz. Les naufragés du jouet des flots se divisent alors en plusieurs groupes pour éviter de se faire prendre ensemble. C'est plus très loin, je suis du coin. Émile, un peu de courage. Bollert, très fatigué, est dans l'incapacité de les accompagner. Pierre, je n'en peux plus. Vraiment plus. Ça va aller. Par chance, Pierre et Émile trouvent refuge à Plogoff dans la baie d'Audierne. C'est un aubergiste et sa famille aidés par les habitants qui les cachent. Y a quelqu'un? À mon avis, c'est la tempête. Cette nuit, ça a soufflé. On nous a dit qu'il y avait des résistants en fuite. Vous dormez à la maison. On va aborder les enfants. À demain matin. À demain. Vers 16h, surgit un véhicule venant de Quimper. Ils viennent récupérer les deux résistants fugitifs. Bonjour. Moi, c'est Lebrun. Suivez-nous, les gars. On n'a pas le temps. Allez, vite, vite, vite. Entre-temps, la maîtresse d'un feldgendarme donne l'alerte. Les chefs nous ont prévenus. Vous avez vos housewives? Oui, je suis une habitante de Dierde. Et j'ai vu, il me semble, des résistants fugitifs. Je voulais juste vous prévenir. Des patrouilles et des barrages sont immédiatement mis en place autour d'Audierne et de Plogoff. Le NF et ses deux amis ouvrent la route à bicyclette, mais la voiture où se trouvent Pierre et Émile est interceptée à un barrage. C'est pas vrai, il y a un barrage. On fait comme si rien n'était. Le sergent allemand examine les Ausweis du conducteur Monsieur Lebrun, puis ceux des passagers. Papiers en ordre, alors qu'ils s'apprêtent à repartir, on leur demande de leur laisser passer pour la zone côtière. Pierre et Émile n'en possèdent pas. Les autorités allemandes, dans l'absence du document, transfèrent Pierre et Émile à la maison d'arrêt de Quimper, puis de Rennes. Avant de remettre ses effets personnels au gardien de prison, Pierre aurait eu la tentation d'avaler l'espace de quelques instants la capsule de cyanure dissimulée dans le chaton de sa chevalière. Il faut tout nous donner. Émile Bollert l'en dissuada. Pierre, je t'en conjure, n'avale pas le cyanure qui se trouve dans ta chevalière. Merci. Pendant des semaines, rien ne se passe.
Personne ne se doute que Pierre Brossolette, le numéro 2 du BCRA, se trouve entre les barreaux de la prison bretonne de Rennes. À l'annonce de la capture du numéro 2 du BCRA, tout est mis en œuvre pour le libérer. Yeo Thomas, son ami, son frère d'armes, s'envole pour la France et rejoint rapidement la prison de Rennes pour y échafauder un plan d'évasion. Toutes les options sont discutées, y compris une solution d'explosion au sein de la prison de Rennes. Pendant des semaines, rien ne se passe. Personne ne se doute que Pierre Brossolette, le numéro 2 du BCRA, se trouve entre les barreaux de la prison bretonne de Rennes. La vie est un vrai cirque. Pour dissimuler la mèche blanche qui repoussait et qui le rendait si identifiable, Pierre trouve un moyen pour l'atteindre en noir. Pendant sa détention, il trouve le moyen de communiquer avec sa sœur. Ma chère sœur, je souhaiterais que tu me fasses parvenir une méthode assimile pour l'allemand et des explosifs. Je le transmettrai. Pierre, j'ai bien reçu ta lettre. Je vais tout faire pour t'envoyer des méthodes allemandes et m'occuper des explosifs. J'espère que tu ne souffres pas trop en prison, ta chère sœur. Le destin des deux prisonniers de Rennes bascule le 16 mars, suite à la réception d'un courrier en clair intercepté à la frontière espagnole. Cette missive envoyée par le délégué de la zone nord destination Londres met la puce à l'oreille des autorités allemandes. Après avoir trouvé le chef de la zone sud et l'unificateur de la résistance, Jean Moulin, ils mettent la main sur l'autre tête pensante de la résistance, Pierre Brossolette. Dès qu'il fut mis au courant, Ernst Misselwitz se rendit à la maison d'arrêt de Rennes. Hauptsturmführer Misselwitz assiste aux interrogatoires d'Émile et de Pierre, mais n'intervient pas. En aparté, il s'en prend violemment au service de la prison rennaise pour leur incompétence. Le 18 au matin, on les sort à coups de bâton dans les reins et dans les jambes. Misselwitz reste toujours en retrait. Le 19 mars, on les jette à l'arrière d'une traction. Arporis. Direction l'avenue Foch, quartier général de la Gestapo allemande. Mars. Au 86 avenue Foch, aux premières lueurs du soleil, l'interrogatoire débute pour Pierre. Et cette chevalière? Assistas. Aux questions posées, il répondra systématiquement. Je m'appelle Paul Boutet, représentant de commerce. Au cours de la torture, tel un déluge, pieds s'abattent sur lui. Il subit le sévice de la baignoire, mais résiste encore et encore. Je m'appelle Paul Boutet.
Tu es Brosolette. Tu ne t'appelles pas Paul Petit. Du bist ein Lüger. Richtiger Lüger. Nous avons des preuves. Je m'appelle Paul Bouteille. Amenez-le à Fred. Après avoir passé un jour au 86 avenue Foch, Pierre est transféré à la prison de Fresnes. C'est à cette occasion qu'il revoit Roger Lebeau, qui sera le dernier résistant à le voir vivant. Le 19 mars, on apprend l'arrestation de Yeo Thomas à la station de métro Passy, à Paris. Il sera également envoyé à l'avenue Foch et torturé. Du matin du 22 mars, les interrogatoires avenue Foch reprennent encore plus violemment. Pierre subit presque depuis 3 jours les pires horreurs des SS. On va recommencer du début. Mais ne dévoile aucun nom, aucun plan. Et cette chevalière. Voyant que Pierre n'est plus en mesure de répondre aux questions, on donne l'ordre à 2 gardiens de le transférer dans une chambre de bonne au 84 avenue Foch. Pierre, assommé sur la table, face au gardien, ne ressent plus la douleur et se sent comme anesthésié. C'est sans doute dans ce moment de solitude que le résistant, le soutien de la gloire, fait le bilan de son action de résistance. Il avait dit à son épouse Gilberte, « J'irai jusqu'au bout. » Pierre se rend compte que le soldat qui doit le surveiller vient de quitter la pièce. Une fois de plus, il faut prendre une décision. Mais la bonne décision. Dans un ultime acte de bravoure, Pierre, les mains entravées, soulève son corps meurtri vers la fenêtre mansardée. À cet instant précis, le 22 mars à 14h, Pierre Brosolette écrit l'une des pages les plus importantes de l'histoire du XXe siècle. Le résistant connaît tous les détails du débarquement de Normandie qui aura lieu le 6 juin 1944. Pour ne pas trahir ce secret qui changea la face du monde et qui permit quelques mois plus tard de mettre un terme à la Deuxième Guerre mondiale, Pierre fait le choix de sacrifier sa vie. Pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans un pays libre. On amena Pierre qui avait survécu à la chute à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son agonie dura plusieurs heures. C'est bon, j'ai un bout. Le maintenir vivant afin de lui soutirer les informations était peine perdue. Dans son délire, il prononçait sans cesse. Tout ira mieux mardi. Tout ira mieux mardi. Ce mardi était peut-être la référence au mardi 6 juin 1944, le jour du débarquement en Normandie. Tout ira mieux mardi. Étouffé. L'eau de joie des femmes. Par la rafale sans...
pas de vos acclamations. Père, je crois qu'on est en train de le perdre. L'heure du décès fut prononcée à 22h, le 22 mars 1944. Ils attendent de nous, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais un élan. J'ai décidé de faire entrer au Panthéon l'année prochaine 4 grandes figures qui évoquent l'esprit de résistance et notamment de cette période où ils se sont illustrés. Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Antonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. Votre cœur à tous, dans la détresse, où nous a laissé le désastre de la patrie. C'est le cri de vous tous qui ne vous résignez pas, de vous tous qui voulez faire votre devoir. Vous vous sentez isolés et désarmés dans le chaos des idées, des opinions et des systèmes. Vous cherchez où est votre devoir. Résister, c'est déjà garder son cœur et son cerveau. Mais c'est surtout agir, faire quelque chose qui se traduise en fait positif, en acte raisonné et utile. Beaucoup ont essayé et se sont découragés en se voyant impuissants. D'autres se sont groupés, mais souvent, leurs groupes se sont trouvés à leur tour isolés et impuissants. Patiemment, difficilement, nous les avons cherchés et réunis. Ils sont déjà nombreux, plus d'une armée.